Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, c'est Asté, et vous ne me connaissez absolument pas comme membre de la Team Ecstasy parce que je ne suis pas sur la bonne chaîne. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, en fait? Nous sommes donc pour un... ici avec Nico sur la chaîne de Aquac pour un débat et débat sur la saga Uncharted, dont je suis un grand fan, et m'a donc invité comme en tant que spécialiste. Non. Dixit. Non. Et évidemment, depuis qu'il est dans mon antre, évidemment, à la fin, avec ce léger écho, hein, on s'excuse d'avance, mais... On verra si tu peux l'atténuer, oui. Si tu peux l'atténuer sur Uncharted, de toute façon, c'est pas... Non plus incroyablement horrible. Voilà. Ça doit être faisable. Alors, vous allez sans doute vous demander pourquoi est-ce que j'ai ramené Asté sur... un sujet tel que Uncharted. Pourquoi Asté qui n'a pas fait une vidéo d'Uncharted depuis plus de 2 ans et dont on attend toujours la suite. Ouais, c'est prévu, j'ai juste pas de micro, contrairement à monsieur. Voilà. Qui met 150 balles dedans. Non, c'est prévu, mais surtout que je suis dans le groupe et dans les potes à Aquac, le plus grand fan de la saga Uncharted et de Naughty Dog en général. En prouve mon let's play sur The Last of Us et ce que je suis en train de faire sur la saga Uncharted. Enfin, Uncharted, comme ils disent. Exactement, on a même fait le 2 ensemble. Voilà, on a fait le co-op du 2 sur la chaîne. Le moins régulièrement. J'aimerais bien, oui, le moins régulièrement du monde. J'aimerais bien faire le 3 avec mon ami Tsekou. Manque de peau, il est occupé en ce moment, et donc du coup, faire le co-op du 3. Même si j'ai déjà réussi à le terminer en mode difficile avec seulement 2 personnes, c'est faisable. Mais j'aimerais bien le faire du coup sur la chaîne, mais ça devient compliqué avec dans un peu plus de temps, surtout qu'on va bientôt rentrer à la fac. Exactement. Donc voilà. Et avec le job que certains vont avoir. Pensez à la saga Uncharted. Voilà. Mon ami Aquac m'a dit j'ai ma série débat et débat, on peut en parler pendant 30-45 minutes. Donc je sais pas trop en fait, j'ai même pas écouté, je suis désolé, les autres débats et débat, pas entièrement. Il y en a qu'un seul. C'était voilà. Avec. D'ailleurs, je venais d'aller voir, c'était avec l'ami Xavier sur Jojo. Voilà. Donc du coup, je sais absolument pas ce que c'est. Comme je sais pas si c'est une review, si on parle des points faibles, points forts ou autre, ou si c'est juste nos impressions à blanc. En fait, c'est un peu tout ça à la fois. Ouais. C'est vraiment, tu parles de ce que tu penses du jeu. Tu peux donner des impressions, tu peux faire des théories sur un prochain Uncharted. Ma gueule. Non, après le 4, je doute. Par contre, oui, on n'a pas joué au 4. Ouais. Alors par contre, le 4, je me suis informé sur beaucoup de choses comme le développement, comment ils étaient arrivés à de telles idées, n'importe quoi, mais j'y ai pas joué parce que, et je me suis pas spoilé non plus sur les différents let's play et autres, parce que bah, je voulais le faire de mes propres yeux. Je me suis spoilé sur le 1, le 2, le 3 avant quand j'étais jeune. J'avais regardé des let's play, donc mention à XVSK si vous le connaissez. Oh, excellent. Voilà. Et j'avais regardé ses let's play à lui avant de m'acheter moi-même les jeux, dans le désordre en plus. Et du coup, on peut dire que ça gâche un petit peu. Et j'avais pas non plus envie de le faire en let's play playthrough comme j'ai fait avec The Last of Us. Quoique, genre, je doute encore parce que The Last of Us, entre guillemets, je me suis légèrement gâché l'expérience de jeu en me forçant en fait à parler et à filmer par-dessus. Parce que c'est un jeu qui se fait plutôt bien. The Last of Us, en fait, contrairement à Tomb Raider où tu peux vraiment le faire en playthrough comme tu veux, The Last of Us, il a vraiment une ambiance, il a vraiment des personnages, il a vraiment des trucs qui sont très très forts. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la fin tout seul et après je suis reparti pour la refilmer. C'est d'ailleurs voilà. C'est un petit défaut de filmer. Donc le 4, après c'est un Uncharted, hein, il sera pas du tout aussi profond. Que The Last of Us, donc je doute encore de si je vais le faire ou pas en let's play, en playthrough, quand j'aurai la délicieuse PS4 qui attend encore dans quelconque e-shop de Paris. En attendant, pour l'instant tu joues au 3 là actuellement sur la PS3, il fallait le dire aussi. Oui, alors malheureusement vous n'aurez pas la vidéo de ce que je suis en train de filmer actuellement parce qu'on est chez Nico, qui a une télé en 4 tiers dégueulasse. Et que surtout je n'ai pas ramené mon Elgato. Ça aurait pu être intéressant, mais de base, étant donné qu'il a une télé en 4 tiers. Mais qui est HD. C'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, du coup, moi je préfère, vu qu'on va aborder surtout les 3 jeux de la franchise, je préfère rentrer chez moi avec ce qu'on aura enregistré. Et choisir des séquences. Et voilà, aller choisir des séquences. J'ai les 3 jeux, ils sont tous finis. Je vais aller dans les parties, je vais choisir des chapitres. Ah, en plus, oui, tu peux choisir les chapitres. Oui, parce que je peux choisir les chapitres. Dès que j'aurai fini, je pourrai choisir les chapitres. Et comme ça, voilà, je pourrai choisir en fait comment illustrer avec ce que je veux, vu qu'on va parler de ce qu'on parle. Voilà, exactement. Par exemple, on peut commencer avec le premier d'ailleurs.
tout de suite. Bah, commençons avec le premier. Le premier, bah tiens, petite anecdote. Oula, il y a un mec au lance-roquette. Petite anecdote. Le premier jeu Uncharted, c'est le premier jeu de la PS3 à avoir été développé avec l'idée des trophées en tête. D'accord. Alors, il y a plein de gens qui, dans les commentaires, pourront dire « Eh non, c'est pas vrai, machin chose. » Non, ce à quoi vous pensez, c'était des jeux auxquels on a rajouté en tant que mise à jour, les trophées. Parce que oui, il y en a eu plein, ils ont rajouté des mises à jour comme ça, mais le jeu de base, n'avait pas incorporé. Alors que Uncharted est vraiment le premier jeu dans lequel ils ont incorporé, dans le développement du jeu, les trophées. Et j'ai trouvé ça intéressant pour l'anecdote parce que c'est quand même une des franchises. C'est quand même la franchise, je dirais, de la PS3 au niveau des exclus. Parce que, bon, ok, Killzone, ok. Résistance, ok. Mais non, pour moi, la franchise de la PS3, c'est quand même la saga Uncharted. Surtout que les mecs de Naughty Dog se sont débrouillés pour à la fin balancer une nouvelle IP, quoi. C'est-à-dire, les mecs, on était à la fin de la console, 2013, nouvelle IP, et ils avaient la foi, quoi. Bref. C'est vrai. Parlons du premier donc. Le premier qui est donc, pour la plupart des fans et moi y compris, le moins bon. Bah, mais en même temps, c'était la première fois que Naughty Dog passait sur un style de jeu réaliste. Après avoir fait Crash Bandicoot et Jack and Daxter sur les cycles PS1, PS1, PS2. D'ailleurs, ils les ont vendus. Ils ont vendu les licences. Ils les ont vendus pour les spin-offs. Mais je crois qu'il prévoit de refaire un Jack and Daxter sur PS4 ou un truc comme ça. Je sais plus, j'en avais entendu parler en tout cas. Je suis plus du tout sûr. Après, moi j'ai jamais joué à ces jeux là parce que ma première console HD ça a été la PS3. Donc, parce que voilà, j'étais pauvre. Moi aussi, t'inquiète pas. C'était moi aussi la PS3, y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Mais donc, du coup, moi ça sert pas. Dans tous les cas, même si c'est le cas, je l'attendrai pas en tout cas complètement extatique. Mais je crois, j'en ai entendu parler, je suis pas sûr qu'ils aient vendu les droits. Peut-être. Tout cas pour le Crash Bandicoot, je crois, mais je suis pas sûr. En tout cas, voilà, parce que je crois qu'ils ont vendu une licence et après ils se sont mis Uncharted, je crois, mais je ne suis pas sûr. Surtout qu'en fait, on leur a vendu la PS3 comme ce que c'était, c'est-à-dire une évolution technologique d'enculé, pour avoir les mots crus, par rapport à la PS2. Et au départ, ils voulaient continuer à faire des trucs un peu cartoonesques, et quand ils se sont rendus compte du nombre de polygones qui pouvait afficher en temps réel sur une console, les mecs se sont dit « Ok, on va peut-être tenter autre chose. » Et après, à partir de ça, ils ont commencé du coup à réfléchir à quelque chose de beaucoup plus réaliste dans le ton autant que dans la forme. Et l'idée d'un chasseur de trésors est née, évidemment, grâce en fait au Indiana Jones, même si Indiana Jones de 2008, donc qui a précédé Uncharted 1 d'une année. C'était Indiana Jones 4 et ça a donné de la chiasse en boîte. Mais j'ai une question, est-ce que Uncharted ne se serait pas inspiré un petit peu de Tomb Raider? Bah oui et non, parce qu'ils ont voulu prendre une forme qui était beaucoup plus... Alors, les premiers Tomb Raider étaient... Oula merde, mon cheval, reviens. Oui, parce qu'on est sur la scène, pour ceux qui connaissent, on est sur la scène de poursuite en cheval vers la fin dans le désert. Voilà, si je parle des choses, si je dis des choses qui n'ont pas de sens dans la vidéo, c'est à cause de ça. Mais non, les premiers Tomb Raider, moi j'y ai joué, enfin surtout Tomb Raider 2 sur PC à l'époque, je me souviens très bien. J'ai jamais réussi à dépasser le niveau de Venise, pour ceux qui sont des connaisseurs. Mais non, parce que Tomb Raider c'était. Attention, à l'époque c'était du rétro, hein, et c'était. Tu cherches une clé, tu ouvres tel endroit, t'affrontais en plus des loups, des tigres. Et j'ai quasiment jamais réussi à buter les mobs humains dans ce jeu. Parce que j'étais très nul, j'étais gamin. Et ils étaient très secs, ils étaient très crus, ils étaient très... disons que Lara Croft, qui déjà est une espèce de génocidaire encore plus grave que Nate, hein, parce que Nate, on a beau se dire des choses, il est très très, très génocidaire, hein, il tue des centaines de milliers de personnes. C'est vrai. Mais Lara Croft était la même chose. Mais c'est surtout que elle était très compliquée à diriger, c'est-à-dire qu'il fallait s'arrêter de courir, diriger les flèches du clavier à gauche et à droite, et après repartir, courir. C'était assez compliqué d'y jouer vraiment quand t'étais gamin, surtout quand tu connaissais pas les mobs et tout. Je vous ai dit, j'ai jamais dépassé Venise, même si j'ai buté les chiens de Venise. Oui, pour ceux qui connaissent, hein, tout le temps. Mais moi je connais pas ça. Voilà, j'ai buté les chiens, en fait, si tu veux, à Venise t'as deux bolosses qui te courent après. D'accord. Et ils sont absolument atroces. Ouais, parce que tu dois t'arrêter pour tirer. Mais ils sont inspirés en fait dans l'esprit. Et déjà, ils voulaient avoir un mec
mais qui était plus dans le style voilà, je peux faire des blagues vraiment à l'Indiana Jones. Oui. Ils sont beaucoup plus inspirés d'Indiana Jones que de Lara Croft parce qu'ils voulaient faire des vannes. Parce qu'on l'a bien vu tout à l'heure quand il est devant le désert et qu'il fait parfait. Oui, non, mais voilà, c'est le genre de gars qui se laisse jamais abattre et qui vraiment fonce et il voulait voilà, faire un truc à l'Indiana Jones, même si en 2008 on a eu le crâne de cristal et que ça a donné cette espèce d'horreur. Mais anyway, le premier, donc le moins bon de la franchise pour tous ceux qui connaissent la franchise. Et bien pourquoi ? Parce que déjà c'était le premier et que bah pareil, en fait on part sur un gameplay qui est très fin de PS2 et ils ont aussi et qui est assez sec. Ben, ils avaient du mal en fait à. Pardon. Déjà à l'époque, ils avaient enregistré plus d'une centaine d'animations et pour eux c'était un truc incroyable. Ils arrivaient à enchaîner des animations d'une façon fluide et pour eux c'était une prouesse technique. Sauf que du coup c'était les débuts de la console et c'est toujours ça, toujours avec la console, parce que maintenant on est en train de se dire oh les jeux ils sont beaux sur PS4, mais vous verrez dans 6 ans les jeux seront magnifiques. Parce que dès le début d'une console c'est impossible d'en tirer toute sa capacité, toute sa constance. Bon, je prends le 3 en exemple, attention hein. Je mesure mes mots hein. En tout cas parce qu'on a vu du God of War par exemple à l'E3 2016 qui est magnifique, ça envoie du pâté, qui est magnifique. Donc qui fait très penser à The Last of Us bizarrement. Oui. L'ambiance c'était un peu t'es un gros barbu avec une fille, avec un gamin, parce que c'est pas une fillette, c'est un garçon. C'est ça. Mais en tout cas, le gameplay était magnifique. Oui, mais parce que un exemple, c'est est-ce que en matant des jeux de 2007 sur PS3, vous auriez imaginé une seconde qu'on aurait GTA V et la taille de Los Santos et toute sa carte sur PS3. Moi, j'aurais pas cru. Parce que j'aurais même vu les graphismes de Uncharted, premier du nom, qui avait des polygones. Du coup, on avait l'impression qu'ils avaient très lissé pour donner un effet très plastique. Oui. Parce que à l'époque, c'était compliqué. C'est sûr. Jamais j'aurais cru qu'on allait avoir un GTA V immense et beau en plus. Sur PS3. Et il y a eu une telle maîtrise de la PS3 Rockstar, par la suite. C'est Rockstar. C'est Rockstar. Moi j'ai envie de dire 2013 c'était l'année du bon cru. The Last of Us et GTA V la même année, c'est 2013, c'était l'année du jeu vidéo pour moi. L'année qui te marque le plus. En tout cas, c'est dans les dernières années, oui. Après il y a eu The Witcher, c'était 2015, 2014 Witcher 3 c'était en 2014. Hein, 2014, pareil, on a eu un bon cru. 2015 a été un peu vide, j'ai trouvé. Parce qu'il y a les Assassin's Creed qui font de la merde. Donc Xenoblade, moi j'étais content. Oui, toi t'es content avec ton petit Xenoblade, bon voilà. Entre Uncharted 1 et le Uncharted 3 par exemple sur la PS3, on voit une différence, j'imagine. Ah, clairement, oui. Un petit peu, est-ce qu'on peut dire par exemple que Uncharted 1 est une sorte de test pour la suite en fait, pour la suite de la Sega? Déjà, c'était le premier test de Naughty Dog en tant que jeu réaliste. Jeu aventure action, parce que les Crash Bandicoot et les Jack and Daxter c'était vraiment pour les entre guillemets pour les enfants, bien sûr, parce que non, c'est aussi pour les ados, pour ceux qui ont vécu avec. Pour ceux qui ont grandi avec. Mais il y avait une intention d'avoir un truc cartoonesque. Et les gens ont beaucoup aimé le premier du coup Uncharted. Faut jamais dire Uncharted, ça se dit Ted, mais anyway, ça fait plus joli que Ted. Et le premier en fait, il y a vraiment des. Oula. Oui, je dis de la merde. Parce que pas de soucis, t'inquiète. C'est un peu chiant aussi parce que du coup, il va y avoir des blocages où moi je m'amuse sur le jeu pendant que je remplirai, t'inquiète pas, il n'y a pas de. Mais le premier, je vais mettre pause, du coup, je vais pouvoir parler bien. Le premier, c'est vraiment un problème, entre guillemets, bien sûr, un problème de fluidité de mouvement et de dosage de la difficulté. Pour ceux qui y ont joué, il y en a beaucoup qui se rappelleront 2-3 gunfights qui sont des aiguilles dans le cul. C'est vraiment, non mais c'est incroyable. Je penserai principalement à deux choses, celle de la baston du temple, parce qu'il y a un temple, mais enfin, il ressemble pas vraiment à un temple, c'est ce qui s'appelle la baston du temple, et les deux gunfights de l'église. Pour ceux qui les connaissent, quand tu penses y arrives, t'as juste envie de te suicider. Et moi, pour le coup, pour avoir fait le jeu en difficile, c'est vraiment atroce, quoi. Parce qu'ils te balancent des PNJ. Surtout que dans le premier, enfin après ça a été rééquilibré dans le 2, c'est pour ça qu'après on passera au 2 qui est le meilleur pour moi de la saga. Dans le premier, à un moment je m'amusais à compter quand j'avais des amis à côté de moi, je prenais le flingue, j'étais là 1, 2, 3, 4, 5. Il fallait 6 balles d'un pistolet normal pour tuer un ennemi qui est pourtant dans les plus bas, même pas ceux qui sont plus gros. Oui, parce que. Oui, ça par contre. Ah oui, c'est très raciste. Oui, le premier il était raciste, mais un truc de malade. Parce que, tu vois, dans le 2 et le 3, il y a ceux qui ont les armures.
Mm-hmm. Et bah dans le premier, c'est juste des renois gros. Je déconne pas. Dans le premier, les ennemis qui prennent plus de balles que les autres, c'est juste des renois avec un Marcel qui sont gros. et moi, comme j'avais joué au 2 et au 3 avant le premier, j'ai juste trouvé ça très raciste. Oui, donc... ok, donc du coup, après, voilà. Ça se passait où après? Ça se passait. Non, c'est. Parce que moi, j'ai pas joué au premier. Hein, c'était des mercenaires. Des mercenaires et des pirates. Je sais pas si c'était somalien, je doute que c'était. Non, c'est pas somalien. C'était des pirates. Asiatiques. Non, même pas. Sinon, il y aurait pas eu de renois. Ouais, peut-être qu'ils étaient asiatiques. Bref. Admettons. Je m'en souviens plus, mais en gros, les gros renois prenaient plus de balles que les autres. Voilà. Et. Le dosage de la difficulté était au schnapps. Il était au schnapps. Les passages en jet ski. Donc pour ceux qui veulent aller sur ma chaîne, il y en a déjà un. Parce que j'arrive vers la fin du jeu quand même. Vous aurez le lien. J'arrive vers la fin du jeu, même en 11 vidéos. Parce qu'il est très court. Ouais, c'est le plus court aussi de la saga. Sauf que c'est pour ça que c'est très con. Mais. Il a un avantage par rapport à sa durée de vie et pour laquelle je pourrais le contraster surtout avec le 3, c'est que il se suit. Il est très court, on peut le finir. La première fois que je l'ai joué, je l'ai fini en 8 heures et quand on connaît le jeu, on peut le finir en 6 heures top chrono. Ah oui. C'est aussi pour ça que du coup là j'arrive vers la fin du jeu alors que je l'ai mis en difficile déjà en 11 vidéos. Et c'est parce qu'il se suit, et ça c'est quelque chose, je pense que c'est le point bonus qui peut-être pour certaines personnes le mettrait au-dessus du 3, qui était une déception pour eux. C'est que le premier, voilà, en fait on reste pendant tout le jeu sur la même île, et c'est presque du temps réel, parce que c'est quasiment une journée qui s'étire, et quand on fait le jeu en 8 heures, et bah basiquement c'est du temps réel. Disons, mettons que on fait les premiers chapitres qui sont pas sur la même île, on fait les premiers chapitres comme ça. Après, on arrive sur le chapitre où l'avion de Nate se crash. Spoiler, bon, c'est le premier, il est sorti en 2007, mettez-vous à jour. L'avion se crash, mettons qu'il est midi. Et bah, vous jouez 8 heures, vous arrivez à la fin du jeu, et vous voyez le soleil se coucher. Et tous les passages, en fait, tout se suit d'une façon qui est très fluide au niveau, en tout cas, du scénario et des maps. Et un truc qui m'avait, moi, fait marrer, parce que j'avais pas remarqué, on repasse sur les mêmes maps. Mais les changements de lumière sont tellement bien gérés que moi je m'en rendais même pas compte. Pour l'époque ça devait être. Parce que la deuxième fois que je repassais vers un endroit que j'avais déjà vu, tu me disais bah. Je me disais bon, ouais, ils ont recyclé le layout. Et après je me suis rendu compte que non. Parce que je me suis rendu compte plus tard qu'un trésor qui se trouvait dans cet endroit là, tu pouvais le choper à deux endroits différents du jeu. Et je me suis dit, ah ouais, en fait on repasse par le même endroit. Juste plus tard dans la journée, et du coup le changement de direction du soleil et le changement de luminosité donne une ambiance qui est très différente, parce qu'en plus on arrive vers la fin du jeu, on a rencontré les ennemis spéciaux. Donc pour ceux qui savent pas, les ennemis spéciaux c'est des espèces de zombards chelous espagnolos qui viennent, en fait en gros basiquement il y a une espèce de virus qui transforme les gens dans des espèces de trucs bizarres à la peau fripée qui sont cannibales. Oui mais non, parce qu'ils sont ils ont des changements morphologiques aussi, mais ouais, on va dire en très très gros c'est des zombies. Ouais, ils mutent en fait. Voilà, en gros voilà, c'est une mutation. Et donc du coup quand on arrive à la fin du jeu, on a affronté ces mecs là. Elena s'est fait enlever 3 fois, une espèce de biatch. Jamais de je voulais le placer. Et Sully a failli crever, on l'a récupéré. Bref, on a traversé beaucoup de péripéties. On arrive à la fin du jeu et en fait, la couleur rouge, par exemple, de la luminosité de la fin de journée, met un poids en fait sur l'aventure de Nate, qui lui aussi commence à en avoir marre, quoi. Et même si on peut argumenter que c'est un mec génocidaire qui a buté des centaines de personnes dans chaque jeu. Il y avait cette force dans la fin d'image de la fin du premier. C'est le jeu de couleurs. Hein, voilà, c'est le jeu de couleurs qui pouvait être très intéressant. D'accord. Donc ça s'est reproduit sur la suite des épisodes, pas du tout. Du coup, un peu moins. Je crois que dans le 2 c'est arrivé. Je sais plus vraiment. Quand il est dans la neige. Après oui, il y a des jeux de couleurs sur la froideur de la neige, oui, voilà. Sur le fait que Nathan Drake allait bientôt abandonner sa quête. Regarde avec le désert par exemple. Le désert du 3, j'avoue qu'ils ont. Enfin, le côté psychédélique du 3, on va y revenir après, mais c'est vrai qu'ils l'ont bien joué avec le rouge pétant, la démence presque qui le prend. Mais bon, nous y reviendrons plus tard. Je me souviens qu'un jour, pour finir avec le premier, même si j'en ai pas parlé beaucoup, mais on est déjà à 20 minutes, je me souviens que je m'étais dit, chaque Uncharted a le meilleur telle chose. Et en fait, c'était
Le premier a la meilleure continuité dans l'histoire. Le deuxième a les meilleurs graphismes et aussi le meilleur scénario, je dirais. Et le troisième a les meilleures scènes d'action. Et comme ça, on pouvait très bien diviser, en fait, on pouvait très bien voir... on pouvait très bien faire une courbe de sur à quoi le studio avait fait attention, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le premier, il voulait faire un jeu qui était propre, basiquement. Et il est très propre, d'ailleurs. Le gameplay est propre, même s'il est un peu sec, parce que c'est le début de la PS3 et que c'était leur premier jeu, en fait, en troisième personne avec un truc réaliste. C'était leur premier shooter et autres. Mais voilà, il est très propre, on peut dire ça. Même si la difficulté... Et moi, j'aime bien les difficultés élevées, parce que ça rappelle un peu les jeux rétro, où il n'y avait pas un checkpoint toutes les 5 mètres. Ensuite, dans le 2, ils se sont dit, tous les gens ont aimé, on a gagné pas mal de trophées, on va pouvoir mettre plus de budget dedans et va avoir une meilleure histoire. Et ça s'est ressenti parce que la continuité était toujours là. Je mettrai d'ailleurs en avant la scène du train, qui permet d'avoir une transition, mais qui est smooth as fuck, entre le Népal et la neige. Tu la sens même pas passer, parce que dans le 2, dans ce passage du train, le checkpoint, voilà, le checkpoint, en fait, c'est le script qui fait avancer la neige, parce que t'es tellement occupé à tirer sur les gens que tu remarques pas que le train commence à... Enfin, surtout que tu remarques pas que si tu restes au même endroit pendant 30 minutes, tu remarques pas que c'est le même endroit qui se déroule. Et dès que t'avances et que t'arrives à avancer, t'avances le script et la neige arrive. Et elle arrive du coup de façon organique. C'est pas un gros script, t'as pas de cinématique. T'arrives dans la neige, t'arrives dans les montagnes, dans une séquence de gameplay qui est immense, magnifiquement orchestrée. Voilà, on voyait que les mecs, ils aimaient le jeu et ils aimaient ce qu'ils faisaient. Mais je crois que le gunfight du train, il se fait après que qu'on soit arrivé dans la neige, quoi, après que le train soit échoué. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je te parle du train quand il est encore sur les rails. D'accord. Quand il est encore sur les rails et qu'il fait le trajet. Voilà, tu dois remonter les trams et t'arrives dans la neige, voilà, dans ce passage-là où tu remontes les trams. Du coup, ça se fait de façon très organique. Par contre, je crois que tu devrais parler un peu plus fort quand c'est à toi de parler. Parce que moi je parle comme un chacal. Ah, pas de soucis, non mais moi je t'écoute en fait parce que t'es vraiment le pro là-dedans. Moi je suis là, j'ai joué au 2. En même temps, tu sais qu'à l'époque j'avais pensé à faire des entre guillemets des podcasts un peu comme ça, des podcasts longs, enfin des podcasts radio, hein, je parle, pas des podcasts. Des podcasts radio, voilà, très longs. Un peu à la s'impose. Et j'avais pensé en fait à écrire des trucs sur Intuitive. Donc du coup, j'ai des idées et je savais déjà de quoi parler de base. Ouais, t'avais un plan, quoi. Ouais, j'avais un plan de prévu, j'étais au courant. Ah, parce que nous ici c'est un petit peu un instinct vraiment au micro. Ah oui, tout à fait, bah, on parle un micro. C'est aussi vraiment la bonne ambiance. C'est aussi pour ça qu'il y a l'écho. Voilà, ça s'entend. Mais voilà, c'est pour ça que tu vois en fait le 2, dans le 2, ils ont mis leur force, Naughty Dog, dans un scénario qui était un peu mieux ficelé, même si, mauvais point, parce que moi je n'aime pas Chloé Fraser, je n'aime pas son personnage. Pour ceux qui aiment son boule, bah voilà, j'aime son boule aussi, mais son personnage je l'aime pas. Mais j'ai aimé l'évolution qu'ils avaient apportée, par exemple, à Elena et à Drake. Ok, mention spéciale au journaliste le journaliste qui ne sert à rien au Népal, qui arrive, qui est là, ouais. Personnage secondaire. Bon, moi, je l'aimais bien. Il avait des couilles. Putain, c'est ça. Il a tapé sur Drake, tu sais. Oui, c'est vrai. Voilà, et après, il se prend une balle et il meurt. Il se prend dans le pied, non? Dans le ventre. Non, tu sais qu'il a une balle dans le ventre et en fait. Ah oui, et après, un jour, on doit le porter, ouais. C'est ça, voilà. Voilà, mention spéciale à ce mec-là qui ne sert à rien, le pauvre, j'aime bien. Et ensuite, dans le 3, pour reparler, du coup, ils se sont dit, ok, surenchère. Surenchère, on a encore plus de budget. Et voilà. Alors. On a eu des beaux diapos. Hein, oui, il y a eu des très beaux diapos. Et de toute façon, moi, je pense que pendant que là je parle, je vais faire une petite compile. C'est bon, le jeu est sorti en 2011. Encore une fois, c'était il y a 5 ans, mettez-vous à jour. Voilà. Une petite compile de toutes les scènes d'action de ce Uncharted 3. Et c'est pour moi, c'est autant un point fort qu'un point faible. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui ont le jeu, si vous avez regardé les bonus, vous avez Amy Henning, qui était la directrice créative du projet, sur laquelle j'ai envie de chier. Explique-toi. Parce que, je t'en prie. Parce que Amy Henning n'était pas la directrice du projet des premiers. Si je dis pas de conneries, elle était déjà dedans. Mais elle est arrivée directrice créative sur le troisième. Et d'accord. Ils ont avoué, de but en blanc, qu'ils avaient
Ah, on a une idée pour une course-poursuite sur des toits, dans un endroit un petit peu exotique. Oh, on a une idée pour un bateau qui se renverse en plein océan. Oh, on a une idée pour Drake qui tombe d'un avion. Et les mecs, ils ont pensé aux set pieces, ils ont pensé aux scènes d'action, et après ils ont tordu le scénario pour les faire rentrer. Tout mettre en même temps. Et voilà. Et moi, en fait, moi déjà qui avais remarqué quand j'y avais joué la faiblesse du scénario d'Uncharted 3, quand j'ai regardé les bonus et que j'ai vu la vieille face bouffie d'Amy Henning dire « Ah bah oui, on a pensé d'abord aux scènes d'action, puis on a apporté le scénario. » J'avais envie de la frapper. Parce que le scénario est... Enfin, parce que le 2, c'est pas fait comme ça. C'est peut-être pas le point fort des jeux, mais c'était pas non plus leur point faible à l'époque. Non. C'était un truc normal. C'était propre. Alors que dans le 3, c'est devenu le point faible du jeu, et moi, ça m'a fait chier. Et dans le 4, tu penses qu'ils l'ont compris ? Dans le 4, bah déjà, ça avait l'air... Enfin, je sais pas, parce qu'il y a la scène de bateau du début, parce que je me suis quand même spoilé les 20 premières minutes, il y a la scène de bateau du début. Moi, j'ai pas trop aimé leur flashback. Dans le 3, autant dans le 3, le flashback était intéressant, parce qu'on commençait avec le flashback, si je dis pas de conneries. Alors que là, on a une scène de bateau, il s'écrase, et là, on a un flashback sur le frangin. Mais pourquoi on en a jamais entendu parler ? Ok, je vais arriver, Marlowe. Marlowe qui parle de la famille de Drake dans le 3. D'accord. Bordel de merde, elle connaît tout. Et c'est là d'ailleurs que moi ça m'a fait beaucoup marrer, parce que j'ai beaucoup aimé le retournement de situation que en fait ce n'est pas le vrai descendant de Drake. C'est juste un gars qui était dans un orphelinat qui s'appelait Sir Francis Drake. Il s'est intéressé au personnage et il a dit maintenant je vais prendre son nom. Déjà je trouvais ça très, très intéressant comme retournement de situation. Donc, c'est sympa ça. Bon point ça. Mais Marlowe a parlé de ses parents. Donc mère qui était une teupu, si je dis pas de conneries, qui s'est suicidée, si je dis pas de conneries, hein, j'ai oublié. Père disparu, je crois, qui s'est barré. Et donc du coup ils étaient à l'orphelinat. Mais elle a pas parlé de son frère. Ça aurait pu être intéressant, on aurait pu piquer l'intérêt pour après la ramener dans le jeu d'après. Parce que déjà du coup il apparaît un peu comme un MacGuffin. Il apparaît comme un mec qu'on a ramené parce qu'on avait plus d'idées. Il faut du scénario. Voilà, il faut du scénario, on a plus d'idées de personnages, parce que Elena s'est retapée, Chloé s'est retapée. J'aurais bien aimé qu'il ramène Monsieur Jason Statham, je sais plus comment il s'appelle. Ah Cutter. Qui trahit Cutter. Dans le... Oui, enfin qui trahit. Bon, le mec il s'est fait droguer. Ok. D'accord. Mais oui, il s'est fait droguer. De toute façon, il a joué, il s'est pris un truc dans c'est le cul là, voilà. Moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il ramène. Voilà, Charlie Cutter. J'aurais beaucoup aimé qu'il ramène Charlie Cutter, parce que déjà, je trouve qu'il a une bonne tête de Jason Statham. Et moi ça m'a fait chier quand ils lui ont cassé les pieds, parce que je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup aussi sa voix, autant en VF qu'en VO. C'est vrai, mais on peut parler de la VF d'Uncharted d'ailleurs. D'Uncharted. Oui, on peut dire qu'elle est excellente. Oui, déjà. Je la trouve excellente moi personnellement. De toute façon, je pense que c'est Naughty Dog. Je pense que c'est Naughty Dog qui met de l'importance sur la VF de ses jeux, autant sur The Last of Us qui est très bon aussi, que sur toute la saga Uncharted où toutes les voix sont bonnes. Il n'y en a aucune qui fait cliché. Surtout avec le, comment il s'appelle, Christophe Balestra. Christophe Balestra, voilà. Co-founder, donc co non. Oui, co-fondateur de. Non, c'est non pas fond. Si, vice-président de. Alors vice-président, oui, enfin co-président plutôt. Voilà. Mais je suis pas sûr que c'est lui qui l'ait fondé. Ils ont pas fondé parce que justement ils ont repris la boîte après. Mais voilà, Christophe Balestra, français et co-président actuel de. Ça a peut-être joué sur la VF en tout cas. Peut-être, peut-être qu'en tant que directeur de la boîte, il a dit ouais non, je veux qu'on ait des bonnes voix. Après, j'ai jamais mis le jeu en une autre langue que. Qu'anglais ou français. Mais déjà, ouais, mention spéciale donc au français qui pour une fois n'est pas dégueulasse. Hein, pas vrai, Assassin's Creed Ah mais oui, Ubisoft. C'est vrai. Pourtant ils sont français, c'est con. Mais oui, voilà. Ils devraient avoir du budget. Non mais c'est Ubisoft. Non mais ils sont à Montréal, ils mettent tout en anglais. Voilà, du coup, donc voilà pour le 1, jeu qui est bon, niveau de difficulté aux fraises, un scénario qui se suit et une fluidité dans la suite en fait des actions et un rythme. Voilà, ils ont un bon rythme entre recherche. Entre recherche en juste et scénario, exposition, recherche de puzzle et scène d'action, un bon rythme, voilà. Mais du coup, juste par la faiblesse graphique du début de la PS3, du coup, automatiquement, il se fait classer en dessous de ses confrères. Malheureusement. Ensuite, pourtant, il n'est pas. Voilà. Le 2, qui pour moi est le meilleur de la saga,
Pourquoi ? Parce que prouesse graphique, claque graphique par rapport aux environnements. Par rapport au premier, des textures, bon, évidemment, qui peuvent être dégueulasses quand on y regarde de près, mais qui, pour un jeu comme Uncharted, qui se joue bah, sans prêter grande attention à « Oh, la poignée de la porte, elle est moche !» Bah voilà, ça passe inaperçu. Donc du coup, le 2, c'est le meilleur, parce que claque graphique, ils ont amélioré toute la fluidité des animations, des polygones, Nathan Drake est plus beau, tous les personnages sont plus beaux, les cinématiques sont plus belles, la bande-son, elle est encore, je trouve qu'elle est encore mieux, même si j'aime beaucoup la bande-son très indigène, on va dire, du premier, qui se balade dans une île, mais la bande-son du 2, avec un changement de style entre le Népal, entre la neige, entre Bornéo, c'est des styles de musique qui en plus diffèrent, et ça, bah, par exemple, c'est rare, c'est un signe d'attention. Parce que maintenant, les jeux, enfin, avec les OST, ils facilitent un peu la vie. Voilà, c'est un signe d'attention. J'essaie de penser, bah, en même temps, Naughty Dog, veut dire, au niveau des OST, faut dire, vous ne pouvez pas ne pas avoir une érection sur l'OST de The Last of Us. C'est juste improbable. Donc, voilà. au moins, c'est dit. Voilà. Et on comprend bien. Voilà, c'est aussi pour ça que je mets des OST de The Last of Us dans Audria, moi, de mon côté. D'ailleurs, Audria, voilà, allez voir, cliquez sur le lien. Un peu de pub, il m'en faut. mais voilà, le 2, Uncharted 2, le meilleur de la franchise. J'aime aussi beaucoup, même s'ils sont très très chiants vers la fin du jeu, j'aime aussi beaucoup les ennemis spéciaux qui sont des espèces d'êtres humains en fait, améliorés par la sève d'un arbre magique. J'aimais beaucoup ça, ce scénario. Je trouvais qu'il tenait encore mieux qu'Eldorado. D'accord. Parce que dans le premier, c'était la recherche d'Eldorado. Et en fait, à l'intérieur d'Eldorado, ok, ça aussi c'est une bonne touche, mais je trouve que c'était moins intéressant. À l'intérieur d'Eldorado, il y a une momie. Et si on respire la même air que la momie, on se transforme en cette espèce de zombie bizarre. Dans le 2, il y avait cette sève magique qui aurait donné la grandeur à une cité de Shambhala. Et ça, je trouve que c'est un scénario qui serait carrément assez intéressant pour faire un film dessus. Et ils ont décidé de baser un jeu. Et j'aimais beaucoup. Ils avaient quand même des idées derrière la tête. Surtout l'idée aussi du masque, parce que les ennemis sont masqués. Au départ, on a l'impression que ce sont des monstres. Et Lazarevitch, donc le méchant du jeu, qui est un mercenaire chauve, qui est d'ailleurs voicé en VO par le même gars que Cutter, hein, dans le 3. Voilà, donc petite anecdote. Cutter, c'est celui qui nous aide. Oui, donc voilà, Cutter, donc le monsieur chauve, monsieur Jason Statham, c'est Lazarevitch du 2 en fait. En VO, c'est le même mec. D'accord. Voilà. Lazarevitch arrive avec un canon scié, il en buste un, il enlève un masque, il dit ok, ce sont juste des mecs, mais en version Captain America Super Soldier en fait. Avec la cité de Shambhala, je sais même plus pourquoi la cité de Shambhala s'est écroulée. Ça, je crois que c'était justement à cause de cette sève. Les gens s'en sont enivrés, un peu comme si on donnait la puissance magique à des mages. Les mecs de Shambhala s'en sont enivrés, ils se sont entretués. Je crois que c'était ça le délire. Et voilà, le 2, je sais pas, j'arrive même pas à dire pourquoi c'est mon préféré, juste il a une aura, il a un style. Bah souvent il y a des jeux comme ça que tu peux pas expliquer vraiment pourquoi ils sont excellents, c'est vraiment tout ce qui englobe en fait, tout ce qui englobe les gunfights sont mieux, la difficulté est mieux gérée, ils ont trouvé un nouveau type d'ennemi, ce qu'on appelle les Américains, ceux qui ont un blindage qui est encore plus élevé. Ceux qui ont une Gatling, quoi. Les Américains. Que tu peux buter qu'avec un coup de sniper dans le front. C'est ça. Je trouvais ça très intéressant. Il y avait des subtilités qui avaient été ramenées au niveau du gameplay. Des bonnes idées, ouais, c'est sûr. Les phases, même si c'est pas du platforming incroyable ou très compliqué comme les premiers Tomb Raider où il fallait y aller au pixel près. C'est vrai. La phase où tu grimpes dans les montagnes, t'es à l'intérieur d'une montagne, d'un temple, un ancien temple où il y a justement Monsieur Schaeffer. Merde, je crois qu'il s'appelle Stéphane. Non. Je crois que je crois que le vieux, enfin l'ancien nazi qui vous donne la mission dans le 2 quand t'arrives au Népal, il s'appelle Stéphane Schaeffer. Voilà. En tout cas, on mettra un lien de Rome Solis quand il y aura. Oula, tu viens de parler d'Ordo, j'en ai jamais fait mention sur la chaîne. Ok, je mettrai un but. on reprend, je couperai ça. Oula. C'est pas grave, de toute façon, il risque d'arriver, c'est juste que c'est dans longtemps, quoi. Oui, voilà, surtout ça. Au moment où tu dis le titre, tu fais l'image subliminale du logo, comme ça. Ouais, tu fais ça. Et tu dis, non, mais c'est dans mon temps, ça arrivera. Oui, bah c'est toi qui le feras, du coup. Ok, au montage. On reprend.
Donc oui, donc là, le niveau de platforming dans les montagnes, il est démentiel. Parce qu'on a toute cette machinerie qui ressemble un petit peu à des horloges géantes qui bougent et on doit monter dessus. Et moi, je me suis dit, j'étais là, je regardais ça, je trouvais ça magnifique. Ils avaient vraiment trouvé des trucs super jolis, quoi. C'est-à-dire, par exemple, moi, je pense au Tomb Raider, le dernier avant le reboot. Bon, j'avais joué sur Wii, ok, me tapez pas. Mais c'est pas grave. Il avait des passages de platforming qui étaient dégueulasses, des boss qui étaient dégueulasses, un autolock bizarre qui autant marchait sur PC à l'époque rétro, mais qui donnait une rigidité de gameplay quand on est en 2010, quoi. Et moi maintenant, ouais, on pouvait pas. Moi, je trouve ça logique qu'ils aient reboot Tomb Raider avec un nouveau gameplay, parce que avec Uncharted et 4 jeux qui sont des succès mondiaux, ils pouvaient plus se permettre de faire Underworld, quoi. Parce que Tomb Raider Underworld, bah voilà. Je pense en plus le meilleur moment, la meilleure partie du dernier Tomb Raider avant le reboot, c'était le fait qu'on avait le marteau de Thor. Ouais, genre voilà, et que il y avait un gunfight qui me faisait hurler de rire, parce que t'es sur un bateau porte-container, et d'ailleurs ce jeu là qui est la suite de L'Ange des Ténèbres, hein. Donc c'est pour ça que moi j'ai rien compris au scénario, parce que c'est la suite directe de L'Ange des Ténèbres, qui est considéré comme le pire Tomb Raider jamais fait, donc pour ceux qui connaissent. Et donc du coup il y a un passage qui rappelle L'Ange des Ténèbres, et du coup moi j'ai rien pigé, où il y a un PNJ qui revient du jeu d'avant. Et donc on est sur ce bateau, et quand tu balances le marteau de Thor, en fait c'est une vague d'énergie, mais vraiment un grand. Et du coup les mecs passent en ragdoll, en fait. Et du coup ils passent, dès que tu es touché, ils passent en ragdoll et ils s'envolaient, mais genre à des centaines de mètres, en mode buggé, non pas en mode buggé, vraiment en ragdoll, mais envoyé loin, à la GTA, wow. Quand tu prends une bagnole. Enfin, GTA 4 plutôt, parce que le 5, oui. ils ont amélioré l'argot, oui. Mais dans le 4, tu pouvais t'envoler vraiment loin. D'accord. Et en fait, moi, ça faisait hurler de rire de voir le marteau de Thor. Tu lançais un coup, surtout que t'étais munitions infinies, parce que c'est le marteau de Thor, quoi. Et les mecs s'envolaient, et des fois, ils se pétaient la nuque sur des coins de mur. Moi, ça faisait hurler de rire. Ouais, j'imagine. En tout cas, on était obligé de passer par Tomb Raider si on voulait parler d'Uncharted. Voilà, parce que par rapport au reboot, surtout. Parce que dans le reboot, enfin, je suis désolé, mais... On peut pas dire que c'est Uncharted qui a volé Tomb Raider, c'est l'inverse. Le reboot, moi je l'ai fait sur ma chaîne. Moi je l'ai fait aussi. Et oui. autant je suis d'accord, le gameplay... C'est une ambiance totalement différente. Mais... La mécanique... En fait, le fait que Nathan Drake soit intuable. Ok, parce que c'est la promesse de départ. Le fait que Nathan Drake soit une espèce de gros américain qui soit intuable, qui fasse un génocide, c'est la promesse du jeu. Donc on est au courant, on l'attend. Alors que dans Tomb Raider, tu dois survivre. Alors que dans Tomb Raider, quasiment tous les trailers disaient vous allez devoir chasser pour survivre. Vous êtes une Lara Croft de 19 ans qui est très fragile et qui n'a jamais tué quelqu'un de sa vie. Alors qu'à la fin du jeu, vous êtes dans les stats. Vous avez tué 1800 personnes. C'est ça. Voilà, et on tue des espèces de zombies par dizaines. Les Japonais là. Oui. Les Oni, voilà. J'ai jamais compris ce que c'était. Hein. En gros, c'est des mecs, c'est un peu des zombies en fait, ils sont jamais morts. Mais non, ils ont été ressuscités, je crois, par la déesse ou je sais pas quoi. Non, ils sont juste restés en vie en fait. Oui, restés en vie, jamais morts, voilà. Ça, voilà. Ils ont été conservés, je pense, par la déesse Himiko. Himeko, si je dis pas de conneries. Himeko. Si je dis pas de conneries, c'est son nom, je suis plus sûr. Parce que je crois que c'est comme ça. Mais ouais, non, je veux dire, on est Tomb Raider, elle a 19 ans, déjà. Première dizaine de minutes de jeu, elle se prend cette espèce de bout de ferraille dans le bas du dos. Déjà dès qu'elle tombe, la première fois qu'elle tombe. Ouais, déjà elle aurait dû se péter la nuque. Enfin. Et elle se prend ce bout de bois. Non, c'est pas un bout de ferraille, c'est un bout de bois dans le ventre qui lui transperce le ventre. Et elle doit se le retirer. Ok, qu'elle survive. Ok, parce que c'est une base, on sait, c'est Lara Croft. Je crois qu'il faut passer, une petite heure de jeu, voire peut-être plus, avant qu'elle bute quelqu'un. Mais quand ce qui se passe, je pense que ça s'explique ça par le fait que, tu sais, comment il s'appelait le gars aux cheveux blancs qui l'a éduqué. Oui, son tuteur. Je sais plus comment il s'appelle. Merde, mais comment il s'appelle son... En tout cas, voilà. Oui, lui, tu vois qu'il se trouve, il meurt. J'aime bien parce qu'ils ont juste justifié le fait qu'elle soit vraiment balèze par le fait que, pendant 3 ans, elle s'est entraînée. Non, parce que même dans le jeu, dans le gameplay, oui. La première fois qu'elle bute un mec,
Donc déjà, il y a son crâne qui lui arrive sur le... Il y a son crâne et son cerveau qui lui arrivent sur la gueule, donc directement, elle est traumatisée. Et on la voit traumatisée, elle tremble et tout. Et pourtant, à la fin... elle crie, enfin, je veux dire, en plus, le jeu Tomb Raider se déroule pas sur une grosse période. Il se déroule, je crois, sur une semaine, tout au plus. À peine. Elle doit, elle doit 3-4 jours. Voilà, elle doit dormir 2-3 fois dans le jeu. C'est ça. Bah, en 4 jours, t'as pas le temps d'avoir un changement de comportement aussi chaud que ça. À la fin, elle gueule aux gens, ramenez-vous, avec un lance-grenade explosif, quoi. C'est ça. Non, mais, je veux dire, voilà, c'est pas la promesse qu'on a. Elle le dit vraiment en plus. Oui, oui, elle le dit, ramenez-vous. Et c'est vrai. Enfin, je sais pas, je trouvais pas que ça passait. Je trouve que par exemple, le changement, par exemple, qu'on voit Ellie faire dans The Last of Us est beaucoup plus logique. Parce que déjà, il se déroule sur 6 mois. Puis juste, moi, juste Ellie, le fait qu'elle. Je sais pas nager. La faiblesse. juste le fait qu'elle ne sache pas nager. Ça donne une faiblesse déjà. De quoi ? Ça donne une faiblesse au personnage. Voilà. Ça donne un côté alors plus humain. Alors que Lara Croft. Fin... Puis surtout, rappelez-vous les passages où on est avec Ellie, elle est fragile, elle peut pas se battre au corps à corps, ce qui est déjà une bonne chose. Heureusement. Même quand elle attaque un ennemi par derrière, elle est obligée de le stab 5-6 fois pour qu'il crève. C'est ça. Bref, son changement psychologique en une personne plus forte est plus logique. Et pourtant, c'est pas Rambo. Parce qu'à la fin de Tomb Raider... Lara Croft, c'est Rambo, qu'on se le dise. Quand il s'appelle. Même Nathan Drake, c'est pas Rambo à la fin. Bordel de merde, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, Nathan Drake est en mode putain, pourquoi j'ai fait ça? À la fin, Nathan Drake, il en a marre. Il veut se ranger, c'est pour ça que dans le 4, il bosse quoi. Le mec, il est. Alors que Lara Croft, à la fin, fait bon, maintenant j'ai envie de partir à l'aventure, voilà. J'ai envie de défoncer les gens. Maintenant j'ai envie de créer un second génocide arménien quoi. Voilà, parce que c'est. Un c'est bien, mais deux c'est mieux. Ouais, voilà, c'est. C'est pour ça, moi j'ai un problème avec le reboot Tomb Raider, même si, entre guillemets, enfin j'ai beaucoup aimé le jeu parce qu'il était fun, mais j'ai ce problème en fait au niveau du réalisme de la gonzesse qui arrive à se taper une armée de mercenaires entière et des démons, parce que c'est le nom, le mot Oni veut dire démon, voilà, en japonais. Donc, le fait qu'elle se tape des démons, entre guillemets, comme ça, ouais, YOLO, moi je me l'ai fait parce que Rambo. Parce que Rambo, c'est clairement ça. Hein, c'est... Mais voilà, moi je. Wouah! Pardon, j'ai recommencé à jouer, c'est pour ça. Voilà, il a recommencé à lancer. En tout cas. Mais où j'ai one shot parce que. Tain, ça c'est parce que t'es en facile. Oui, joue en facile à Uncharted. Me jugez pas. Monsieur Aquac. Disons que c'est pas ma tasse de thé, voilà. Oh, alors que moi, j'ai tous fini en difficile. Je l'ai vu jouer tout à l'heure, il connaissait le jeu par cœur. Genre, il se ramène dans le revers. Oh, là, il y a un trésor, attends, laisse-moi y aller. je n'ai pas compris. En tout cas, je vais juste pour fermer la partie Tomb Raider, on est obligé de passer par Tomb Raider pour parler. Obligé. Et par le reboot plutôt. On est obligé de passer par là. Le reboot, qui a pompé Uncharted, hein, mais dire, voilà, c'est pas. En long et en travers. Il faut se le dire, hein, c'est pas non plus. Alors qu'avant c'était plutôt l'inverse. Là, ils ont. Après, comme je t'ai dit, non, parce que les anciens jeux Tomb Raider. Les Tomb Raider, les anciens ont connu une évolution très bizarre. Hein. Parce que je t'ai dit, les tout premiers qui étaient sur PC, bah, ils avaient leur style. Mais les derniers, ceux qui étaient sur PS3, même Underworld ou Anniversary. Ils avaient un style qui était très bizarre, on aurait dit des jeux indés limite, hein, des fois. Oui, moi, c'est possible. Voilà, c'est pour ça. Avec la caméra qui est au-dessus, des fois. Non, mais ouais, en fait, d'un jeu à l'autre, c'était très différent. Ils avaient un style bizarre, les anciens. Pour ceux qui ont joué à Anniversary, à Underworld et, oh mon dieu, que Dieu vous garde, à L'Ange des Ténèbres, qui est vraiment nul, hein, qu'on se le dise. Il était sur PS2, je sais même plus si c'était sur PS2 ou fin PS3. Au début PS3. Voilà. Mais voilà, pour ceux que. Voilà. Non, ils étaient chelous. Nathan Drake, Uncharted, c'était vraiment le renouveau de l'action-aventure avec 2-3 scènes d'action. C'est pour ça que le premier en fait, avait mis un standard, que le 2 a sublimé le standard et que le 3 a fait de la merde avec le standard. Mais les gens ont apprécié le 3 en général. Oui, alors le 3, mais du coup, je suis quand même content parce que les critiques se sont quand même. Les critiques en fait ont quand même suivi ma pensée. C'est que même si le 3 a reçu beaucoup de récompenses, il y en a quand même reçu moins que le 2. Oui. Et moi, ça me fait plaisir. Parce que j'aime pas quand un jeu reçoit plein de grâce et de « Oh mon Dieu, c'est le meilleur jeu de l'année !» alors que je trouve qu'il est moins bon qu'autre chose dans la saga. Oui. Et moi, donc du coup, j'ai été très content de voir Uncharted 3 avoir des récompenses, parce qu'il est quand même très beau et qu'il est quand même... Ah oui, et puis surtout, ils ont amélioré le gameplay, donc ça, j'en reparlerai quand j'aurai fini ma phrase. Mais voilà, j'étais content de le voir...
recevoir moins de récompenses que le 2. Ouais, dans le sens où t'étais plus... Parce que pour moi, la seule raison, et je dis bien la seule et unique raison pour laquelle le 3 peut se perdre, se targuer d'être meilleur que le 2... Grenade. C'est... C'est les grenades. Justement, c'est pouvoir renvoyer les grenades. Juste ça, ouais, c'est vrai que ça... Voilà, ça, c'est une évolution de gameplay qui a changé la vie, mais de tellement de mecs, que c'en est impressionnant, quoi. Parce que dans le premier, déjà oui, c'est débile. C'est débile de se dire, ouais, le mec, il sait gérer plein d'armes, il sait gérer des fusils à pompe, des mitraillettes. Et des snipers. Il ne sait pas se pencher pour ramasser une grenade. Alors qu'elle est déjà activée, bon, c'est vrai que c'est... Voilà, donc du coup, directement... Ah non, d'accord, ça, c'est un camion. Voilà, moi, je me dis, oula. Donc voilà, je commence à faire mes onomatopées. Voilà, c'est pas grave. Donc du coup, je pense que ceux qui voient Isolde Express sont habitués. Voilà, je me dis que l'évolution, renvoyer les grenades, c'est le bonus qu'il fallait. Ouais, pour rendre, en fait, pour, c'est rendre, le gameplay. Pour rendre un gameplay plus actif, plus nerveux, et surtout arrêter cette espèce de débilité de devoir quitter ta couverture pour échapper à la grenade et du coup te mettre devant tous les mecs avec des fusils qui te regardent droit dans les yeux au moment où tu esquives la grenade, ils sont là, salut, c'est moi, bonjour. Parce que juste, je trouve ça idiot, voilà. D'accord, mais on peut dire que c'est une consécration un petit peu du coup niveau gameplay. La consécration. Mais tu sais, niveau gameplay. C'est vrai que dans le coop, c'est une espèce de consécration. Parce que dans le coop, pouvoir renvoyer les grenades, surtout que le coop est assez difficile dans le 3. Bon, moins que dans le 2, mais il est assez difficile pouvoir renvoyer les grenades. Ça m'a fait peur là. Bah, en même temps, c'est obligé qu'on fasse la comparaison. Parce que dans le 2, il y a beaucoup de morts qui sont dues au fait qu'on peut pas renvoyer les grenades. C'est vrai, parce qu'il faut toujours faire attention aux grenades tout en tirant sur les ennemis. Ah. Et dès que tu vois une grenade, t'es obligé de changer de position, mais en même temps, tu peux tirer sur les gens. C'est vrai, t'es obligé de changer de position alors que t'es niqué. Parce que t'as quatre snipers qui te regardent, un lance-grenade et un fusil à pompe. Et t'as des pompes qui se promènent. Donc du coup, c'est la consécration de pouvoir relancer les grenades dans le coop de celui d'après, voilà, du 3. C'est sûr. Alors donc du coup là je suis à un passage où je dois utiliser des roquettes contre des gens. Et c'est parce que moi je suis monsieur je m'appelle Nathan Drake crime de guerre. Voilà. parce que le serbe là de Lazarevich, c'est rien à côté, on peut le dire. Mais franchement, mais Lazarevich a un très bon point, il a un très bon argumentaire à la fin du 2, c'est mais Elon Drake, t'as pas buté 40 000 personnes avec ouais mais moi je suis un gentil. Oui. Et Lazarevich est là. Mais dis donc, on est passé différent. Et l'autre il est là. Mais non, parce que moi je suis gentil. C'est ça. Et moi je trouve ça très marrant parce que ça. Bah après du coup ils ont vraiment embrassé ce comme ça. Ce. Ah. Vas-y. C'est quoi le mot? Il a plus les mots. J'ai plus les mots. Qu'on appelle ça? Quand t'as un paradoxe. Voilà. Non. C'est bon. Tu comprends le montage ou bien? Ils ont vraiment embrassé ce paradoxe dans le 4 parce qu'il y a un trophée qui s'appelle donc dissonance ludonarrative. Pourquoi? Parce que dans le jeu, on te dit que t'es un gentil et tu tues quand même des centaines de milliers de personnes. C'est ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative. Parce que dans le jeu, on te dit que t'es un gentil, mais tu fais un génocide. Voilà, c'est un peu pour dire en gros, tu peux faire le pire crime de guerre si par exemple ton pays te dit c'est bien. C'est pas vraiment la même ambiance, c'est surtout qu'en fait on te dit tu es le gentil du jeu et après on te fait torturer quelqu'un. C'est un peu comme si on avait dit ouais, Trevor il est le gentil dans GTA et après il y avait la scène de torture. Ou alors il est marrant, il a quelques penchants un petit peu, mais il est gentil, tu vois. Alors que non, du coup, ils ont mieux géré ça dans GTA parce qu'ils te disent non, c'est un méchant, nique ta race. Et du coup, ils torturent quelqu'un et c'est logique. Oui, j'imagine. Alors que dans Uncharted, on te dit ouais, mais non, Drake c'est trop un gentil. Alors que le mec il te fait mais un génocide. Mais comme jamais. Mais un génocide, mais d'enculé quoi. C'est ça. Même tonton Mao. C'est quand même assez marrant. Non, mais franchement, moi récemment, quand je repassais sur Uncharted 2, où j'ai activé les cheats parce que je voulais m'amuser en solo,
J'ai regardé le nombre de mecs que j'avais tués, tu vois. Et putain, j'en étais à 1200, tu sais, à la fin de la partie. Sans pression. Et je crois que quand tu dépasses 1000, c'est un génocide, non? Un truc comme ça. C'est possible. Je crois qu'il y a une stat où il y a un palier où en fait, ça passe de massacre de masse, un peu comme les attentats. Les trucs de masse. Ça passe de massacre de masse à génocide. En tout cas, si c'est un rapport. Comment ça? Si c'est un rapport ethnique. Exact. Alors après, je doute que je suis un mercenaire soit un rapport ethnique. Bah en fait, dans Uncharted, tu butes un peu tout ce qui est contre toi en fait. Tu cherches même pas. Exact. Mais de toute façon, ils arrivent à ne pas mettre de gentils en face de nous. Parce que là, il y aurait une vraie dissonance dans la narrative. Mais en parlant de ça, les méchants dans les jeux. Comme disait un mec, un youtubeur, qui du coup déteste les jeux parce qu'il déteste le fait qu'on fasse passer Drake pour un gentil, Northcube, si vous connaissez, il n'arrêtait pas de gueuler sur le fait que tous les méchants sont des étrangers. Putain, mec. Il n'y a jamais un méchant américain. Le premier méchant, celui du premier, c'est un anglais, je crois. C'est un anglais avec un sous-fifre latino. Le méchant du 2, c'est un serbe. Et la méchante du 3, c'est encore une anglaise. Et du coup, le mec était là. Mais bordel de merde! C'est quoi? En fait, il était là. Uncharted, c'est une espèce de propagande pro-américaine sur le gentil américain avec des armes qui vient libérer les méchants chercheurs de trésors. Alors qu'en vrai, mais Nathan Drake, c'est comme Indiana Jones. Tous les temples dans lesquels il rentre, ils s'effondrent. Ce mec, c'est le cauchemar de l'UNESCO. J'aime bien cette référence. Parce que non, c'est plutôt... Voilà, ce mec, je veux dire. Et puis à la fin, il faut une petite morale. Il trouve Eldorado. Oui. Il le fait couler au fond de l'océan. Il trouve Shambhala, elle s'effondre. Il trouve Hiram of the Pillars, elle s'écroule. Dans la bande-annonce du 4, il rentre dans une église, il arrive à la faire s'écrouler. C'est quoi ce mec? Tu sais, c'est le fléau de X-Men. Hein. Et c'est aussi pour ça que je suis content. Je suis très content. Je connais le jeu par cœur, vraiment. Oui, je suis très content que le méchant du 4 soit un américain. Et surtout, j'aime beaucoup une chose. C'est que les méchants des jeux d'avant, ils étaient là, oh je suis très très méchant, parce que le premier, je sais même plus comment il s'appelle, mais monsieur je suis un homme d'affaires, c'était un mec qui prenait des mercenaires, c'était un homme qui engageait des mercenaires pour faire le sale boulot, qui prenait des mercenaires en plus latinos, parce que sinon c'est pas assez raciste. C'est pas marrant sinon. Le 2 c'était un serbe, mais du coup qui était à la tête d'une milice, donc en plus voilà, oh c'est une milice de mercenaires militaires, blablabla, donc ils sont très très méchants, donc du coup ils continuent... Il continue d'être très méchant. Mmh. Et dans le 3, oh, c'est une société secrète, carrément, anglaise, oui. Qui sont très très méchants. C'est des Illuminati qui veulent contrôler le monde par la peur et autres. Donc, oh, très très méchant. Alors que là, dans le 4, le méchant, c'est Nathan Drake en plus jeune. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est juste un autre chasseur de trésors. Donc il est exactement comme Drake. C'est un mec qui chasse des trésors et quand il se retrouve face à des gens qui veulent le même trésor, il se tire dessus. Donc c'est pas un mec méchant, c'est un mec normal, c'est un mec comme Drake. C'est un Drake. Et voilà, c'est voilà. Le 4, c'est Drake versus Drake avec une Renoir en plus qui est badass. Donc bon point à ça. Et enfin en fait, j'ai l'impression ils ont pris la Renoir de The Last of Us, ils l'ont mis dans Uncharted 4. Hein. Moi c'est l'impression que j'ai eue, hein, perso, quand j'ai vu les bandes annonces. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que le méchant soit un mec et qui en plus lui laisse une chance. Mais il lui laisse une chance en n'étant même pas arrogant. Parce que les premiers étaient là, bon, cassez-vous et vous resterez en vie. Pareil, Lazarevitch, il voulait juste les buter. Il était là, oh, je vais. Comme les méchants d'animé ou de film, je vais expliquer tout mon plan et je vais t'amener un Shambhala pour te tuer devant Shambhala. Donc évidemment, il va s'enfuir. Et enfin, le Marlowe qui, pareil, je suis chef de société secrète. Alors que là, non. Pendant que les trois méchants d'avant étaient arrogants et imbus d'eux-mêmes, le mec du 4, il arrive, il est là, Drake, en fait, si tu veux, on peut s'arrêter là et tu peux rester partir en vie, ou on peut se tirer dessus et on a un de deux qui va crever. Le fait est que t'es vieux, tu vois, le mec, enfin, je veux dire, voilà, quoi, il a... Mm.
C'est Drake, quoi. Putain, c'est pas un mec qui est foncièrement méchant. En fait, il est face à sa plus... Enfin, et ça, j'aime bien. Parce que pour moi, ça me donne le même genre d'idée au niveau de qui est méchant, qui est gentil, que la fin de The Last of Us, où en fait tu te bats contre les Fireflies, tu te bats contre des mecs gentils. Et moi j'aimais bien ça. En fait, ils sont un peu plus développés que dans les trois autres, en fait, dans le 4, les méchants. En fait. Après, c'est l'impression que j'ai eue, vu que j'y ai pas joué évidemment, oui. C'est l'impression que j'ai eue en regardant les trailers. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont plus développés. Ça, c'est un bon point. Le gameplay de 17 minutes. Qui a donné à des centaines, dont moi, de fanboys, une envie d'érection sur Uncharted 4. Mm-hmm. J'aimais beaucoup la physique, à part pour le grappin. Je trouve que le grappin, la physique du grappin est un peu chelou, surtout pour ceux qui ont joué, pour ceux qui ont déjà joué au 4. Quand t'es gosse, quand on t'apprend à faire du grappin, la physique ne veut rien dire. Si vous avez déjà fait de l'acrobranche, vous avez déjà accroché une corde pour faire un balancier avant-arrière, vous devez savoir que le grappin ne fait aucun sens dans Uncharted 4 en tout cas. Le passage du gameplay pouvait être logique parce qu'il s'élançait sur la droite, il balançait le grappin, il arrivait sur la gauche. Je trouvais ça très stylé. D'accord. Pareil pour la poursuite en bagnole, tu t'accroches à une espèce de grue, je sais pas quoi. Bon, que Nathan Drake, que les os de Nathan Drake ne se brisent pas tous les uns après les autres quand il se prend un échafaudage. Bon, il est intuable. Admettons. Voilà, admettons, mais la physique passe. Alors que le tuto du grappin, mais la physique ne veut rien dire. C'est juste ça. C'est... Vraiment, je pense avoir parlé à peu près de tous les points faibles et les points forts de chaque jeu. Ça me fait marrer parce que depuis tout à l'heure, en fait, il joue Uncharted 3, bien sûr, l'épisode du désert. Et en fait, au bout de 2 heures, il boit un coup d'eau, en fait. Genre voilà, il a réussi à faire tout le gunfight. Non, il a été dans le comment on appelle ça. Il a été dans le village des rebeux là d'abord. Donc ils lui ont donné à boire quand même. Tout de même. Ah. C'est pas non plus c'est l'hospitalité. Voilà, l'hospitalité, c'est l'hospitalité au moins minimum. OK. Bon, en tout cas là, je crois que ça s'est fini en fait, je crois que t'as bien parlé. J'aurais limite envie d'un peu d'autre, tu sais. Ok, mais écoute, on s'en fera sur The Last of Us si tu veux plus développer. Bon, après, il n'y aura pas beaucoup de choses à faire, c'est un seul jeu en fait. Ça oui, on attend d'avoir le deuxième. Parce que là, ouais, c'est ça. Ouais, on va attendre The Last of Us 2. Qui a été annoncé d'ailleurs, apparemment. Non, il a été teasé sans faire exprès. Parce qu'en fait, pendant une interview, t'as un mec qui a dit... quand on bossait sur la saga The Last of Us. Mm-hmm. Et le mec a dit wait, saga? Alors qu'il n'y en a qu'un seul. Et là, il y a eu une vague et Naughty Dog n'a rien dit, Naughty Dog n'a pas démenti, les gars étaient là. Non mais on parlait je sais pas du DLC blablabla. Du coup, le mec, il a fait une espèce de grosse, j'espère qu'il a perdu son job. C'est le mec qui a dû se faire virer, tu sais. Il a perdu son boulot. Alors... Ah, je pense que aussi quand ils sont en privé, tu vois, ils doivent tellement parler de. Est-ce que vous avez bossé sur la saga, tu vois? What? C'est quoi ce truc? Ah, alors là, en gros, je viens d'arriver à la fin du 3. Donc pour ceux qui ont joué au 3, je viens d'arriver à la fin du 3, à ce qu'on appelle aux ennemis spéciaux, les fameux ennemis spéciaux du 3. Parce que souvenez-vous, dans chaque Uncharted, il y a des ennemis spéciaux qui apparaissent soit au milieu, soit à la fin du film. Enfin, du jeu, pardon. Oui, c'est sorti. J'aurais jamais pu finir ce débat et les barres sans parler de ça, parce que c'était un de mes gros coups de gueule par rapport à ce jeu. C'est les ennemis spéciaux du 3. Parce que dans le premier, on en a parlé, on a des espèces de... Ok, on vient d'assister à un bug, le mec est passé à travers le sol. Vous ne le verrez pas, malheureusement. Ennemis spéciaux du premier. On a les espèces de zombards dont on parlait depuis tout à l'heure, qui du coup sont très chauds à buter et qui te courent dessus, qui te mangent limite. Et après on a les ennemis spéciaux du 2, qui du coup sont des espèces de surhommes très compliqués à tuer, qui prennent des tas de coups de fusil à pompe, de calage, de M4, je crois que c'est les M4, l'arme préférée du 2. D'accord. C'est pas le M20, le M30, je crois que c'est là. Un RPG, parfait. Et ouh merde, les ennemis spéciaux du 3, je les déteste.
Pourquoi donc? Je les déteste parce que là, on est en train de, je suis en train de les battre, mais je vais, alors du coup, je vais te spoiler vu qu'on est bientôt à la fin. C'est pas grave. Les ennemis spéciaux du 4, du 3, pardon, sont des hallucinations. Rien que ça. Voilà. Et ils peuvent donc, te tuer quand même. Voilà, et ils peuvent te tuer, et je trouve ça atrocement débile de mettre des ennemis parce qu'en fait, tu le découvres après, parce que tu vois, ils se retransforment avec un mec normal. Alors, les ennemis spéciaux du 3, on tombe face aux mercenaires habituels. Quand on les tue une première fois, ils se transforment en djinn. Donc c'est la fameuse légende dont parlait le rebeu qui nous a recueillis, nous a sauvés du désert. Donc ils se transforment en djinn avec la tête en flamme, très flippant au demeurant. Ouais. Mais j'aurais aimé en affronter des vrais. Parce que en fait, la cinématique où tu vois Drake boire de l'eau, cette eau est empoisonnée. D'accord. Elle est empoisonnée par quelque chose qui te fait avoir des délires. Et en fait, là, Drake a cru voir mourir Sully. Sully, exact. Et en fait, Sully n'est pas mort parce que... Parce que... Parce que... Parce que c'est parce que c'est un film américain et que si un gentil meurt, c'est pas bien. En effet. Et du coup, tu te bats contre des hallucinations. Donc, surtout sur... Alors, c'est les gunfights les plus difficiles du jeu. Ils sont atrocement durs. Et pourtant, tu te rends compte après que c'est des alus. Et quand tu te rends compte que c'est des alus, t'as l'impression de t'être fait baiser. Ce qui est très logique, hein, parce que moi, j'avais aussi l'impression de m'être fait baiser parce que j'étais là, putain, vous êtes des fils de pute. Genre, les hallucinations auraient réussi à me tuer. Les hallucinations n'ont pas de flingue. Ok ? Les hallucinations n'ont pas de kalach. Elles ne peuvent pas te tuer. Donc arrêtez vos conneries. D'accord. Et moi, voilà, c'était mon coup de gueule sur les ennemis spéciaux du 3. Je sais même pas s'il y aura des ennemis spéciaux dans le 4. De toute façon, il y en aura sûrement, c'est une tradition un peu. Oui, surtout ça, oui. Surtout que en plus, c'est il y a un rapport avec un trésor pirate. Donc, puis apparemment, oui. Alors, pour ceux qui sont pas au courant, il y avait eu un leak il y a quelques mois sur une interview de Nolan North, le gars qui jouait Drake. Il y avait eu un leak. Où on avait vu derrière lui, des images de modèles 3D de pirates. Le mec était là, putain. Alors soit les mecs qui font Uncharted vont faire un jeu de pirate à la Assassin's Creed Black Flag, soit on va avoir un flashback, soit qui se passera avec Francis Drake. Voilà ce que j'allais dire. Ouais. Soit qui se passera avec le gars dont il cherche le trésor. Et du coup moi c'est ce que j'espère. Et imaginez qu'on doive se battre contre des pirates, par exemple, ou qu'il y a un délire un peu à la... je sais plus quel film avait fait ça. Il y avait un film qui avait fait un délire avec du voyage dans le temps, avec un aventurier. Et je trouvais ça très stylé, moi, qu'on se batte contre des pirates. Et je préférais que ça se fasse... bien sûr, je préférais que ça se fasse à main nue, évidemment. Parce que de voir Drake se battre à coups de sabre, je kifferais. C'est vrai que ça serait énorme. Ouais, je trouvais ça très marrant. Donc voilà. Donc voilà, j'ai poussé mon coup de gueule. Pas de soucis. Je crois que j'ai fini à part. Oui, j'ai poussé mon coup de gueule sur le scénario décousu. Le scénario décousu d'Uncharted 3 sur ses ennemis spéciaux. Le fait qu'ils aient créé les set pieces et les scènes d'action avant le scénario. Le fait que le 2 est meilleur de la série. Les rares défauts du premier qui. Date du fait, juste parce qu'il est vieux. Mm-hmm. Donc, non, je pense qu'on a fait plutôt un bon tour. Après, j'ai pas parlé en détail de tout ce qui fait. De tout ce qui fait en fait la série. J'ai pas parlé en détail de tous les méchants. J'ai pas dit leur nom, j'ai pas dit trop les set pieces, n'importe quoi. Cool. Mais après, ça dépend. Le but n'est pas non plus de faire une review totale et complète. Si, je pense que je doute. Non, mais tu peux. Franchement, on est là pour donner nos impressions sur la saga, on pourra pas parler de tout. Ou alors, il faudrait qu'on fasse chaque jeu au cas par cas pendant une heure, tu vois. Mais s'il faut avoir un mot de la fin, je dirais le premier met les bases. Ils sont partis plus loin, ils ont amélioré absolument tout au niveau du gameplay, que ce soit le platforming ou le gunfight dans le 2. D'accord. Dans le 3, ils ont perdu, je pense, pour moi, quelque chose au niveau du scénario. Vraiment, ils ont vraiment perdu une grosse partie de ce qui, je pense, faisait la force
du scénario et des relations avec Drake en tant que personnage. D'accord. Mais ils ont amélioré le gameplay. Pour moi, juste renvoyer les grenades. Voilà. Pour moi, renvoyer les grenades, c'est un cadeau de Dieu. C'est... Et pour le 4, le gameplay me... Je le kiffe pas trop. Parce qu'il y a un espèce d'œil, comme ce qu'ils ont fait dans Assassin's Creed. Bah, je sais pas pourquoi, c'est une espèce de mode, je pense, depuis... J'ai l'impression que c'est depuis Blacklist. Enfin, depuis Splinter Cell Conviction. Marquer les ennemis. C'est une mode, là, qui est arrivée depuis quelques années. Marquer les ennemis à travers les murs. J'en ai marre! Ce sont pas des mantas, c'est pas des super-héros. Encore, le mec dans Blacklist, il a son sonar. Donc, tu vois, c'est logique. Oui, c'est logique. C'est un espion de base. Donc Joël, il a son oui. Même si moi, je préfère le désactiver parce que ça rend le jeu beaucoup plus intéressant et beaucoup plus difficile. Donc, moi, j'adore. Là, c'est mon délire. Enlever le oui. Mais, ça a commencé avec Black Flag, de voir les ennemis à travers les murs quand tu les marques. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les marquais jamais. Parce que ça m'énervait. Oui, c'est sûr. Je préférais désactiver la fonction plutôt que de l'utiliser. Comme dans Tomb Raider, on peut le faire aussi avec le sens. Oui, mais putain, mais c'est quoi cette mode? C'est pas des mantas, quoi. Ça sert à quoi de voir les gens à travers les murs, un peu de truc. Et quand j'ai vu dans Uncharted 4, tu pouvais marquer les gens à travers les murs, moi, ça m'a fait mal, quoi. Moi, tu m'étonnes. Je trouvais ça triste. Je pense que c'est pour le joueur lambda, parce que. J'espère. Faut dire aussi que Uncharted est devenu un petit peu grand public maintenant par rapport à ses débuts. Ça a toujours été grand public. Je pense depuis le début, le but était de proposer. Ouais. Non, parce que Naughty Dog, ils étaient connus pour avoir fait deux trilogies sur la PS1, la PS2. Ouais, c'est vrai. Ils étaient grand public de base. Le truc, c'est que. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils aient succombé à la mode. Parce que je trouve ça débile de marquer les ennemis. Ça peut être utile quand. Alors après, c'est peut-être parce qu'ils sont passés beaucoup plus du côté de la discrétion. Bah tiens, voilà. On va encore rallonger la vidéo, elle est pas encore assez longue. Non, mais c'est très intéressant. Parce que la discrétion dans les Uncharted a toujours été un sujet difficile. Parce que dans le premier, elle était quasiment inexistante. Et les PNJ, c'était des mantas qui, dès que tu marchais sur une brindille, même celui qui était à 200 mètres, savait ta position exacte au centimètre près. Les armes que t'avais. Il connaissait à combien de temps tu portais ton slip et tout. Enfin, GPS de la NASA, quoi. Voilà, on est d'accord. Dans le 2, il y a eu le moment très intéressant, sauf qu'il n'y en a qu'un seul, où tu peux finir tout un gunfight en stealth. Et c'est le moment où tu as une balle dans le corps, où tu es super lent, où tu as la neige aux genoux, et où tout le monde te court dessus, où tout le monde te cherche quand tu sors du train. Celui-là, j'ai réussi, j'en suis fier, à finir uniquement en faisant en brisant de la nuque en stealthy. Sauf que, apparemment, même s'ils ont laissé l'occasion dans le gameplay de le faire, apparemment, dans le script, c'est pas le cas. Parce qu'une fois que t'as buté tout le monde et que du coup, personne ne t'a entendu, il y a un popage de deux mecs avec des armures, un mec au lance-grenade qui s'avoutait. Donc déjà, j'ai une très mauvaise relation avec le celle-ci. Et dans le 3, pareil, dans le 3, il n'y a pas de ligne de vue. Il n'y avait pas de ligne de vue, et dès qu'il y avait qu'un PNJ qui savait où t'étais, même si t'arrivais à le buter avant qu'il ait pu dire un bruit, tout le monde le savait. Il y avait une connexion mentale il y a une connexion mentale entre tous les PNJ de la map qui s'avoutaient. Exactement. Et du coup, maintenant qu'ils ont fait The Last of Us, où quasiment tous les gunfights sont faisables en stealthy. Ce que j'ai fait en mode ultra hard. J'ai galéré ma race, mais je l'ai fini. En essayant au maximum de ne pas déclencher de gunfight, parce qu'en mode ultra hard, les munitions, tu peux te les fourrer dans le cul tellement t'en as pas beaucoup. D'accord. Et ben, j'espère que du coup, c'est à cause du stealthy, enfin de la furtivité, qu'ils ont mis ce truc de voir à travers les murs. J'espère que c'est uniquement pour ça. Parce que si c'est juste pour suivre la mode des Assassin's Creed et autres, je trouve ça dégueulasse. Moi, dans tous les cas, quand je le ferai, si c'est possible, je désactiverai l'option. Parce que quand t'es en ultra hard, Joël, il a pas la super Wii de « Oh, vas-y, j'ai l'oreille absolue ». Et finir le jeu... C'est même plus l'oreille absolue. Finir le jeu avec deux munitions de fusil à pompe, une munition de flingue et ton petit couteau de survie sur The Last of Us, c'est très marrant. Moi, je trouve ça très marrant et je trouve que ça donne un putain de challenge. Surtout pour les colosses, pour ceux qui savent ce que c'est les colosses, les boss, en gros les mini-boss de The Last of Us.
qui sont extrêmement durs à tuer, bah quand t'as pas de cocktail molotov et que t'as pas de fusil à pompe et que t'as pas du et que t'as pas de bombe, t'es dans la merde. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de dire. Et donc pour le gameplay du 4, j'ai vu qu'il y avait plus de skills parce que tu pouvais te planquer dans des fourrés. Je sais plus si tu peux siffler, j'espère que tu peux siffler à la Hitman ou à la Assassin's Creed 3. Et voilà, j'espère que c'est uniquement pour améliorer la furtivité qu'ils ont mis ce petit truc que je vois à travers les murs, parce que sinon ça sert à rien et moi dans tous les cas je le désactiverai. Parce que c'est juste un effet de mode, c'est parce vrai. Que voilà, parce que mais voilà, je pense que ça va s'estomper. Je trouve que dans le gameplay ça sert pas à grand chose en fait. Mais de toute façon ça va s'estomper si c'est un effet de mode. Mais ce qui est le plus grand chose, parce que je trouve que c'est utile dans les jeux Tom Clancy, les jeux où t'as de la technologie, tu vois, c'est logique. Quand t'es juste un manta qui, en clignant des yeux, tu peux voir les gens travers les murs, je trouve ça pas logique. D'accord. Donc voilà, c'est ma vision des choses. Pas de soucis, mais t'as totalement raison, parce que ça fait passer des zéros qui devraient être juste réalistes et faire de l'action tout à fait banale. Enfin, c'est un génocide, on est d'accord. Le génocide de Drake, oui. Mais enfin, tu fais passer ce genre d'action en mode... En fait, on est des surhommes, du coup on est au-dessus des gens, et du coup ça voilà, décrédibilise un petit peu le jeu. Voilà, moi je préfère quand... quand la personne que tu joues n'est pas un surhomme. Je préfère quand directement tu es un homme qui affronte des hommes. Et ça, Joël arrive très bien à le faire passer dans The Last of Us. Parce qu'il a la rage de vivre. Et surtout, bah, ça passe très très bien quoi. Ça passe juste très très bien. C'est vrai. Voilà. Je pense que. On a fait à peu près le tour. Je pense, oui. On pourrait parler de plein de choses, mais. J'ai fait tous mes coups de gueule. Et oui, et tes coups de cœur aussi, j'imagine. Oui, bah surtout sur le 2. Hein. Oui, le 2 que tu as surtout apprécié, je pense. Deux jeux préférés, jeux de la saga. D'accord. En tout cas, merci à toi, Sté, d'être venu sur cette... Merci à toi de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Alors, avant de nous quitter, je vous présente la chaîne de la Team Ecstasy, hein, évidemment. Je leur fais un peu de pub, parce que j'ai contribué, hein, je suis dans la Team Ecstasy, j'ai d'ailleurs fait... Puis d'ailleurs, il est maintenant qu'il y a Audria qui passe dessus, ta place sur la chaîne est de plus en plus exponentielle. Exactement. Au niveau du pourcentage de vidéos qu'elle t'est. Exact. On peut dire ça, hein, en tous les cas. Et on a même fait la trilogie du coup en multi sur Uncharted 2 que vous pouvez retrouver. Non, pas la trilogie, le 2. Enfin oui, là, on a fait 3 vidéos. La trilogie, on a fait 3 vidéos sur Uncharted 2, donc vous pouvez les retrouver si vous voulez tout de suite en cliquant là, voilà, pas de soucis. En tout cas, voilà. Okay, voilà. Je te remercie beaucoup. 1h16 de parlotte, je vais prendre un verre d'eau. Je crois que... Je vais me préparer psychologiquement au montage pour que je puisse illustrer tout ce que j'ai raconté, parce que j'ai raconté pas mal de choses. Et il va falloir un peu d'illustration. En effet. En tout cas, merci à toi pour le montage. Et j'espère que vous aurez passé un très bon moment, en tout cas, en notre compagnie. Que vous aurez bien... appris des choses, j'espère. De toute façon, c'est une vidéo à regarder en jouant sur le côté, je pense. Hein. Je pense. Quand c'est de la grosse parlotte comme ça, c'est mater quelque chose sur le côté, amusez-vous, puis écoutez ça en fond. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour je ne sais quoi sur la chaîne. Ou allez voir... Peut-être bien un Sirens, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Ou bien aller voir la chaîne de l'Ecstasy, il y a divers Let's Play. Surtout que si vous voulez rattraper des trucs, voilà, c'est rempli. Dont le let's play sur Uncharted, la coop sur Uncharted 2, ou le let's play entier sur The Last of Us, ou le let's play entier sur Tomb Raider. Exactement. En tout cas, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir s'il y a quelque chose que vous... Ou si vous voulez tout simplement discuter de Uncharted. Hein, tout simplement. Voilà, je sais pas pourquoi je me prends la tête, mais voilà. Moi, je suis OP. Si vous voulez hein. discuter par commentaire. Dire si vous avez préféré d'autres passages, ou si vous avez bien aimé le 3 parce qu'il était plus décomplexé, ou ce genre de choses, voilà, c'est toujours... Oula, est-ce que... Ah non, les portes, elles vont se fermer, là. Oui, bon, je parle, voilà, je suis devant un gunfight et il me fait peur. Donc voilà, si vous avez des idées qui divergent, surtout, même si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord, mais et si vous avez un pouce bleu. Non, c'est le gars de. J'encourage pas du tout à ça, y a pas de soucis. Le gars qui demande. Pas de soucis. Mais en tout cas, même s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris ou que vous hésitez sur certaines choses, n'hésitez pas à discuter. Discuter. On se prend la tête depuis tout à l'heure. Discuter, voilà. C'est le but des commentaires. Exactement, et moi ça me tient à cœur parce que c'est pour voir un petit peu les retours, ouais. Exactement. Les retours directement. C'est. Voilà. Voilà, je crois qu'on tout est dit, on a la boucle est bouclée. Ouais, ça y est. Au bout d'une heure et des patates. Voilà, t'as presque fini le jeu là depuis. Ouais, grave. Moi je suis à la fin, là. Je suis dans les dernières phases, du coup je vais pouvoir te laisser apprécier la fin du 3. Exact. Et voilà.
Et donc voilà, bah écoutez, merci à tous d'être restés jusque là, ou même si vous avez zappé un moment, c'est pas allez. Grave. Allez. Et écoutez, à très bientôt, je vous dis à la prochaine. À plus en plus. Je comprends pas pourquoi je dis bye ça. Bye les gens. Salut. Tchuss.